Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Projet du Maroc. En ce 20 mars 2024, nous avons une actualité économique réjouissante à partager avec vous, directement issue de Challenge, un magazine de renom. 12 ans après son arrivée au Maroc, Hirschmann Automotive Group, le géant autrichien de l'équipement automobile, spécialisé dans la connectique et le câblage, annonce une expansion majeure. Selon Challenge, le groupe s'apprête à lancer la construction de sa deuxième unité de production au Maroc, cette fois-ci à Oujda, après une première réussie à Kenitra depuis 2012. Un choix stratégique qui marque l'intérêt du groupe pour la ville d'Oujda, visant à renforcer son dispositif industriel dans le pays. Ce projet ambitieux prévoit de dépasser le milliard de dirhams d'investissement cumulés au Maroc. Avec cette expansion, Hirschmann Automotive prévoit de porter son effectif à 3000 salariés d'ici 2026, renforçant ainsi le marché de l'emploi dans la région de l'Oriental. Le groupe fondé en 1959 est un acteur majeur dans l'industrie de la mécatronique, des capteurs et des systèmes de communication pour l'automobile. Avec un chiffre d'affaires mondial de 1,1 milliard d'euros en 2023, Hirschmann Automotive détient des sites de production à travers le monde, témoignant de sa portée internationale. L'implantation à Oujda n'est pas un hasard. Elle s'inscrit dans une vision à long terme visant à transformer la capitale de l'Oriental en un hub industriel clé, notamment après l'arrivée d'Aptiv et l'intérêt croissant d'autres acteurs industriels pour cette zone, développée par MedZ, filiale de la CDG. C'est sur cette note optimiste que nous concluons notre segment économique du jour. La décision de Hirschmann Automotive de s'installer à Oujda est un témoignage de la confiance dans le potentiel économique du Maroc et un pas de plus vers le renforcement de notre industrie nationale. Merci de nous avoir suivis sur Projet du Maroc. Si cette analyse vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne, et à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.